considéré comme un art mineur, c'était considéré surtout par un... C'était pas du tout un art. Oui, il est évident qu'il était pas du tout, ce succès n'était pas du tout prévu. Le succès, d'ailleurs, même en France, n'était pas prévu. On a d'abord été heureux de connaître ce succès avec René Goscinny. Et puis ensuite, ce succès est apparu en Allemagne, d'abord en Allemagne, avec un succès aussi, disons, presque aussi énorme qu'en France. Ça nous a rassurés parce qu'on expliquait d'abord que Astérix faisait l'apologie du général de Gaulle et surtout titillait un peu le côté franchouillard du français, ce qui n'était pas du tout notre désir. Et à partir du moment où le succès est apparu ailleurs, bah, on a été rassurés. Alors qu'il y avait du soleil, et puis nous venons aussi demain en descendant. Oui.